Voilà. Merci beaucoup, Jésus-Christ. Matondi mingi Yesu Christo. Nous te disons merci parce que tu nous aimes. Et tu nous écoutes et tu nous exauces dans nos prières. Ce matin, Seigneur, nous allons partager la Sainte Cène. Nous prions que tu sois au rendez-vous. Et que le message de ce matin soit vraiment un message qui vient de toi. Et que tu parles à ton peuple pour qu'une âme puisse être sauvée. Je prie, Seigneur, que ça ne soit pas moi, que toi tu parles à travers moi. Élimine-moi, Seigneur, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons appeler Maman Suzanne pour la lecture. Nous lisons dans Jean chapitre 17 verset 3, je crois. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Pouvons-nous asseoir? Tokofanda. Je disais au premier culte que très souvent nous avons l'habitude de parler de notre destinée. Je m'excuse, je demande au frère David de me donner l'autre partie de mon ordinateur qui est resté au bureau, pour que j'allume mon ordinateur. Ah, je disais que nous avons toujours parlé de notre destinée. Et j'ai souvent remarqué que lorsque nous parlons de notre destinée, très souvent nous parlons toujours de ce qui est terrestre. Amen. Amen. Merci, c'est résolu, tu peux mettre ça de côté. Or, dans la destinée de Dieu, nous avons la destinée terrestre et la destinée céleste. Et en ce qui concerne ce qui est céleste, il n'y a qu'une seule solution. C'est Jésus-Christ, le Sauveur, qui nous donne la solution. Et ce qui est aussi terrestre, nous n'avons qu'une seule solution. C'est Jésus-Christ qui nous donne la solution. Voilà pourquoi la Bible nous dit: cherchons d'abord le royaume des cieux et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Vous savez, très souvent lorsque nous entrons en prière,
Il est très rare que quelqu'un prie par rapport à sa destinée vers le ciel. Il va gêner pendant une semaine ou deux semaines seulement par rapport à ce qui est céleste. C'est un peu rare. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui est terrestre, tu vas voir quelqu'un se donner, gêner et prier parce qu'il a besoin d'un emploi. Il a besoin du mariage ou d'une bénédiction quelconque. À vrai dire, ce n'est pas mal. Le mercredi passé, je crois que je parlais de l'hindouisme. Je dis que pour eux, ils recherchent beaucoup plus ce qui est terrestre, donc la vie sociale. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs religions. Beaucoup d'autres religions regardent toujours ce qui est terrestre. Mais la différence avec la religion chrétienne est que pour notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu d'abord pour ce qui est céleste et aussi pour ce qui est terrestre. Amen. Amen. La lecture telle que nous venons de lire avec Maman Suzanne, la Bible dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous savez, dans l'amour de Dieu, Dieu voulait ou il veut que nous soyons avec lui. Lorsqu'il nous a créés, il nous a créés pour que nous vivions avec lui pour l'éternité. Mais il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et cette chose nous empêche d'expérimenter la gloire de notre vie. Dieu est saint. Et ce qui nous sépare de lui, c'est le péché. Il faut que celui qui s'approche de lui soit aussi un saint et qui se sanctifie et qu'il puisse vivre en dehors de péché. Mais lorsque nous vivons dans le péché, il nous est difficile d'être proche de Dieu et il sera beaucoup difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut vivre la sanctification et la crainte de Dieu. Et pour avoir tout ce que tu recherches sur la terre, il faut que tu sois proche de Dieu. Or, si tu vis dans le péché, tu ne peux pas être proche de Dieu et tu n'auras pas tout ce que tu cherches sur la terre. Alléluia. Amen. Or, lorsque dit que nous devons être proches de Dieu, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu. Comme le dit la parole de Dieu, toute autre chose nous sera donnée par-dessus tout.
Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous constatons quelque chose dans notre vie. Nous constatons le péché dans notre vie. Dans notre attitude, dans nos actes, même dans nos pensées. Lorsque nous vivons, nous vivons dans le péché. Lorsque nous marchons, nous marchons dans le péché. Lorsque nous regardons dans le péché. Lorsque nous travaillons dans le péché. Tout ce que nous faisons, c'est dans le péché. Et Dieu ne peut pas nous être agréable. Amen. Même dans nos pensées, c'est le péché. Moi, personnellement, cela m'a poussé à donner ma vie à Jésus-Christ. Justement, lorsque je remarquais ma vie était vraiment dans le péché, mes pensées, mes actes, mon attitude, tout ce que je faisais, c'était vraiment dans le péché. Et lorsque je veux arriver à connaître Jésus, à connaître Dieu, j'ai constaté, remarqué que Dieu est saint, n'accepte pas le péché. J'avais pris la décision de donner ma vie à Jésus. De laisser cette vie de péché et que je marche dans la sanctification. Je dors dans la sanctification. Je travaille dans la sanctification. Je regarde dans la sanctification. Tout ce que je le fais dans la sanctification, la crainte de Dieu. Je crois que c'était la même chose pour toi. Un jour, tu avais remarqué aussi que tu menais une vie de péché. Et tu avais pris la décision d'abandonner et de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est une réalité. Si tu n'avais pas remarqué cela dans ta vie, tu ne pouvais pas donner ta vie à Jésus. À moins que tu sois un béni, oui, oui. Non, béni, oui, oui, c'est quelqu'un qui accepte tout ce qu'on lui dit. Tu n'es pas prêt à accepter Jésus-Christ. Hein? Parce qu'on a dit accepte Jésus-Christ, toi tu dis oui, je l'accepte. Comme l'histoire de ce général qui avait ses militaires, ses gardes de corps. Lui-même avait donné sa vie à Jésus. Mais ses soldats, personne n'avait donné la vie à Jésus. Et il va faire venir un pasteur pour prêcher ses soldats. Le soldat va prêcher la parole. Le pasteur va prêcher la parole. Les soldats vont refuser d'accepter cette parole. Et là, maintenant, le pasteur va donner le rapport au général. Et il va réunir tous ces soldats. Il va leur dire, entre vous et moi qui est le chef, si moi le général j'ai donné ma vie à Jésus, il y a plus forte raison que vous. Allez accepter Jésus. Tous ont dit io, nous acceptons Jésus. Quand bien même dans leur cœur, ils n'étaient pas prêts à recevoir Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'entre nous qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils viennent parce qu'il s'agit d'un mouvement. Et comme tout le monde va à l'église, oui, moi aussi je peux aller à l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a même des personnes à l'église qui sont là
juste fait pour faire plaisir au pasteur. Moi, je voudrais vous dire ce matin, surtout que le pasteur aussi eux-mêmes vivent dans le péché, alors ils couvrent des péchés de leurs fidèles. Or, il n'y a qu'une seule personne qui peut enlever le péché, c'est Jésus-Christ. Mais lorsque celui-là qui couvre le péché est là, et toi qui fais plaisir au pasteur et le pasteur, votre place est en enfer. C'est comme ça que la Bible dit, dans le dernier jour, lors du jugement, il y a eu beaucoup de gens où il y aura de pasteurs qui vont dire que Seigneur, nous avons eu à opérer du miracle. Il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous remarquons, nous constatons aussi que le monde entier est affecté par le péché. Et chaque jour et à chaque instant, le monde s'y enfonce encore davantage dans le péché. Et même il y a beaucoup de gens se détournent et se manquent de Dieu. Vous savez, ces derniers jours, lorsque tu dis à quelqu'un, ben voilà, bientôt tu pourras, je pourrais faire ceci ou pour cela, ou bientôt tu viendras ou tu feras ceci, il y a de ceux-là qui posent même la question pour savoir s'il s'agit de bientôt de Jésus-Christ. Donc, ils ne pensent pas. Mais ils se moquent de Dieu. Pour eux, Jésus-Christ ne viendra pas. Alléluia. Amen. Ah, c'est comme ça qu'ils disent le bientôt de Jésus-Christ. Non, le bientôt de Jésus-Christ. Avec moquerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui se moque de Dieu, ou il nie Jésus-Christ, dans les derniers jours, le Seigneur se moquera de lui aussi. Alléluia. Amen. Écoutez, Église de Dieu, la Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout celui qui vit dans le péché ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 6 verset 23 nous dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez, Église de Dieu, c'est une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour nous tous. Et pourtant, c'est une réalité. Celui qui vit dans le péché est privé de la gloire de Dieu. Et celui qui vit dans le péché, il n'a qu'un seul salaire, c'est la mort. Mais écoutez, Église de Dieu, j'ai dit au premier culte, Dieu a créé les positifs et les négatifs. Les positifs et les négatifs. Et le diable a profité aussi pour qu'il devienne négatif. Vous savez, je vous dis souvent que le diable essaie de donner lui-même une mission.
La mission de contredire Dieu et de considérer tout ce que Dieu dit comme étant de mensonge. Frères et sœurs dans le Seigneur, il nous est impossible de nous libérer de l'esclavage du péché. Je vous ai parlé d'une mauvaise nouvelle. La mort et être privé de la gloire de Dieu. Mais il te sera difficile de sortir seul de cette situation. Il nous est impossible de nous racheter. Écoutez, tes bonnes œuvres, ne pourra jamais te racheter. Ne pourra jamais te libérer. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus, avec ce jeune homme riche, ce jeune homme a tout distribué, mais il n'avait pas la vie. Jésus va lui demander de donner sa vie, de naître de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on peut avoir des moyens. On peut tout distribuer. Mais lorsqu'on n'a pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à des bonnes œuvres. Je vous rassure d'une chose. Avec tes bonnes œuvres, tu iras en affaire. Mais la bonne nouvelle, chers frères et sœurs dans le Seigneur, est que l'amour de Dieu est là pour nous. J'avais dit, à côté de la mauvaise nouvelle, il y a la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle concerne ceux qui vivent dans le péché. La mauvaise nouvelle, c'est pour ceux qui vivent dans le péché. Ou qui refusent de donner leur vie à Jésus. La mauvaise nouvelle est que vous avez pour le Père le diable. Il vient faire la monnaie d'échange avec vous. Il vous demande de lui donner ta vie. Et lui te donne l'enfer. Parce que lui est destiné à l'enfer. Alors comme il ne peut pas aller seul, il cherche des personnes avec qui il peut aller avec lui en enfer. Et là il le traîne à la mort. De la même façon que Satan, le diable, il nous donne sa vie. De la même façon aussi que Jésus-Christ nous donne sa vie. À la différence, pour Jésus, c'est la bonne nouvelle, l'amour de Dieu. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous aime, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi il désire que nous puissions les connaître. Et il désire que nous soyons éternellement avec lui. Vous savez, lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous expérimentons la gloire de Dieu. Et lorsque nous expérimentons la gloire de Dieu, le plan de Dieu pour chacun de nous finit toujours par s'accomplir. Écoutez,
J'ai dit au premier culte, la vie éternelle est plus qu'une existence sans fin. Alléluia. Amen. Nous pouvons vivre sur cette terre. Tu peux vivre 100 ans, 200, 300, 400, 500. Mais kasi, la vie éternelle kasi bon moi est plus que cela. Yango. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun de nous, personne ne veut mourir. Nous voulons tous vivre l'éternité. Bah, je voudrais te donner la bonne nouvelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ. La vie éternelle pour l'avoir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je l'ai dit que elle est fonction de trois choses. Premièrement, avoir une foi vivante. Et cette foi, nous ne pouvons la placer qu'en Jésus-Christ. Alors, si tu ne connais pas Jésus, il te sera difficile de placer ta foi en lui. Parce que j'ai dit toujours, la foi est fonction de la connaissance de la personne. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas croire à ce qu'il te dit. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons placer notre foi en Jésus-Christ. Et placer la foi en Jésus-Christ, c'est être reconnaissant et le connaître. Quand bien même, je dis toujours, Dieu, on peut le connaître, mais on ne peut pas les comprendre. Voilà pourquoi je dis toujours, j'ai prêché une fois, croire sans comprendre. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à comprendre, mais toi crois. C'est comme ça que Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La deuxième des choses, il faut recevoir le Saint-Esprit. Là, je parle de la vie éternelle. Les promesses de Dieu, je le résume en trois. Premièrement, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, l'arrivée du Saint-Esprit. Et troisièmement, le retour de Jésus-Christ. Je venais de parler de l'arrivée de Jésus-Christ. Où nous devons placer notre foi en lui. Lui reconnaître ce qu'il est. Et lui placer confiance. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as une partie des solutions pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est compliqué, hein? J'ai bien dit une partie des solutions. Donc, croire seulement ne suffit pas. Il faut aller dans le deuxième point qui est celui de être rempli du Saint-Esprit. D'être baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même a dit aux disciples, vous resterez là ensemble jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit selon la promesse du Père. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être libre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être racheté.
Il n'y a que le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit qui vivifie. L'Esprit qui montre le chemin. C'est le Saint-Esprit qui peut faire en sorte que tu sois libre. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que tu sois un enfant de Dieu qui marche selon le principe de Dieu. Tu peux recevoir Jésus-Christ, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile de marcher avec Christ. Car Jésus-Christ lui-même a dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Et Christ dit ceci: celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'Esprit est esprit. Toi, tu n'es plus dans la chair, mais tu vis en esprit. Lorsque ton esprit est en contact avec le Saint-Esprit, ce n'est plus la chair qui vit, mais l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu vit en toi, tu marches tel que Dieu marche. Tu regardes tel que Dieu regarde. Tu fais tout comme Dieu fait. La Bible dit: il nous a créés à son image et à sa ressemblance. On ne peut être à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, pour avoir le Saint-Esprit, nous devons reconnaître notre état de péché et nous détourner du péché. Et là, l'amour de Christ va vivre en nous. Et par le Saint-Esprit, nous allons marcher tel que Dieu veut. Troisième chose, avoir une espérance que Jésus-Christ reviendra un jour. Jésus viendra. Christ viendra pour chercher ses fidèles. Pour chercher ses fidèles. Il ne viendra pas chercher tout le monde. Il ne viendra pas chercher seulement ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais il viendra chercher les fidèles. Voici ce que Jésus dit: ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté de Dieu est fidèle en Jésus-Christ, et le Seigneur viendra pour le prendre et vivre l'éternité avec Dieu. C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre l'éternité avec lui, que nous puissions être ensemble avec lui. Et les trois conditions doivent être réunies pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu, vivre avec le Seigneur. L'amour de Dieu est si grand pour chacun de nous. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Écoutez, la mort était pour toi, la mort était pour le pécheur. Jésus-Christ est venu pour le pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens bons. Non. Il est venu pour moi, Manassé, parce que j'étais un pécheur. Je réfléchissais dans le péché, je marchais dans le péché, mes actes étaient dans le péché. Mais le jour où j'ai reconnu cela, je dis que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Écoutez, je veux te dire une chose: la mort de Jésus-Christ sur la croix
ne dépend pas de toi. Mais la bonne nouvelle est que la mort de Jésus-Christ te donne la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, pour placer la foi à quelqu'un, il faut les connaître. Il faut avoir confiance en cette personne. Bah, j'ai dit que personne ne peut se racheter lui-même. Personne ne peut se libérer lui-même. Or, nous devions mourir. Pour apaiser la colère de Dieu, Jésus est mort à notre place. Lui qui n'avait commis aucun péché, il est venu parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, Christ est venu parmi nous. Vivre avec nous juste pour mourir à notre place et nous faire connaître le Père. C'est comme quelqu'un qui vient dans ta maison, il apprend qu'il y a un bandit qui doit venir te tuer, mais lui entre dans ta maison, il porte tes habits, et lorsque le bandit entre, il se présente présente à ton nom, on le tue. En tant qu'homme, je crois que cette personne-là, s'il a des enfants, tu vas prendre soin de ses enfants. Tu vas l'enterrer avec honneur. Tu vas continuer à l'aider. Mais Jésus-Christ est mort pour toi. Il attend que tu prennes en charge ses frères. Ses frères. Ton comportement, ta façon de faire, fera en sorte que beaucoup viennent au Seigneur. Oui, tu peux aller annoncer la bonne nouvelle du Christ aux autres qui n'ont jamais entendu parler de cette bonne nouvelle. Peut-être qu'ils sont dans la mauvaise nouvelle. Va leur annoncer la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus. Fais-le. Si pour un homme, nous pouvons le faire, à plus forte raison, notre Dieu. Je vois encore mes neveux qui ont perdu leur père. Mon petit frère qui est décédé. J'ai dit, je prends en charge ses enfants. Je dois payer leurs études. Écoutez, cet acte, si je n'ai pas Jésus, si je n'ai pas le Saint-Esprit, j'irai en enfer. Alléluia. Amen. Mais Jésus te demande, l'acte que j'ai posé pour mes neveux, pour mon frère, que je pose cet acte pour Jésus-Christ par mon comportement, par la proclamation de la bonne nouvelle du royaume. Tu sais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu mènes une vie de sanctification de la crainte de Dieu, beaucoup de gens viendront au Seigneur à cause de toi. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Oui, Christ est venu parmi nous juste pour mourir à notre place. La Bible le dit dans Jean chapitre 17 verset 3 tel que nous l'avons lu. Or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te parle de Jésus. Je bénis Dieu. Je n'ai pas partagé ce message avec les choristes. Que ce soit les adorateurs,
Que ce soit le groupe de maman. Ezalisanga ba mama ba. Que ce soit notre opérateur là-bas, le papa Alain. Opérateur na biso papa. Tous depuis ce matin. Banso ko ba datonga lelo. C'était que Jésus sur Jésus. Ezaki bobele Yesu likolo na Yesu. Et là j'étais dans ma chambre. Pena zaki na suku na ngai. J'ai dit Seigneur merci parce que tu me confirmes ce message. Na bi ten kolo maton di poto. Oui, cette bonne nouvelle. Le royaume de Dieu. Faut que toi tu sois sauvé. Et que tu connaisses Jésus. Oui, nous parlons cette année, c'est l'année des touchés surnaturels. Ma prière est que Dieu te touche pour que tu hérites le royaume des cieux. Voilà, que Dieu te touche pour que tu hérites le royaume. Oui, très souvent nous croyons toujours que Dieu peut nous toucher par rapport à ce qui est terrestre. Moi, je voudrais te dire aujourd'hui, Dieu te touche par rapport à ce qui est céleste. Les conséquences de cette touche sera que sur la terre tu vas vivre le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour obtenir la vie éternelle, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin de connaître le Père par le Fils et d'entrer dans une relation particulière avec lui. Oui, Jésus-Christ a payé le prix. Un prix fort. Un prix fort. Que personne d'entre nous ne peut même payer ce prix pour son enfant. Personne ne peut payer ce prix pour son père ou sa mère. Personne ne peut payer ce prix pour sa femme ou son mari. Mais Jésus-Christ a payé justement pour nous racheter et nous purifier de tout péché. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit ceci. Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs. Voilà pourquoi j'avais dit, la mort de Jésus ne dépend pas de toi. Jésus-Christ est mort à l'avance. Ce qu'il te demande, viens seulement. Viens. Il n'est pas mort pour les gens meilleurs. Il n'est pas mort pour les gens qui se disent qu'ils sont bons. Il n'est pas mort pour les gens qui posent des bons actes. Il n'est pas mort pour les gens qui partagent. Mais il est mort pour les gens qui ne partagent pas. Il est mort pour les gens qui insultent les autres. Il est mort pour les gens qui sont dans les comédies, dans le commérage, dans le péché, dans la pudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans tout ce qui est mauvais. Jésus-Christ est mort pour ça. Voilà pourquoi il t'appelle. Si tu viens à lui, tu seras purifié, tu seras une nouvelle création. Et la Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Viens à Jésus, car il a besoin de toi. Il a besoin de toi. L'unique moyen possible pour avoir le salut. L'unique moyen possible pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ l'a fait déjà. Par amour pour nous, il l'a fait. Tu ne dois pas mourir pour avoir la vie éternelle. Tu ne dois pas être flagellé pour avoir la vie éternelle. On ne doit pas te percer pour avoir la vie éternelle. Tu ne porteras pas la couronne d'épines pour avoir la vie éternelle. Mais il y a quelqu'un qui a porté tout cela pour que toi tu puisses avoir la vie éternelle. Oui, ce que toi tu recherches sur la terre, Jésus t'a donné ça sur la croix. Parce que sur la croix, Jésus était devenu malade. Sur la croix, Jésus était devenu pauvre. Sur la croix, Jésus avait tout manqué pour que toi tu ne manques pas. Mais seulement il t'appelle. Il dit viens. Il a tout accompli à la croix. Il a vécu la mort. Et Jésus est ressuscité. Il est vivant. Alors plus personne ne peut nous condamner. Car Jésus-Christ est vivant. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 34. La Bible nous dit ceci. Christ est mort. Alléluia.
Il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Personne ne peut nous condamner. Voilà pourquoi il t'appelle. Il te dit viens. Il te cherche là où tu es. Tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Parce qu'il voit dans la profondeur. L'amour qu'il a vu David et toi. Il t'appelle. Il est vainqueur. Il est victorieux. Personne, alors personne, ne peut t'enlever entre les mains de Dieu. Alléluia. Personne. Personne. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, ni ne te ravira de sa main. Jamais. Car il est Dieu. Jésus-Christ nous offre une vie nouvelle. Une vie nouvelle de marcher avec lui. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit ceci, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Oui. Il dit ceci, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Oui, tout ce que tu recherches est spirituel. Si dans le spirituel, tu es prospère, et sur le plan physique, tu seras aussi prospère. Et Jésus-Christ est venu uniquement pour cela. Seulement, tu peux reconnaître devant lui tes fautes. Nous devons reconnaître devant lui nos fautes, nos manquements, nos mauvaises pensées et demander pardon à Jésus. Il est venu pour nous le péché. Il est prêt à pardonner tous ceux qui viennent à lui. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sa grâce et sa miséricorde sont infinies. Jésus, par son sacrifice, nous libère et nous donne de marcher avec lui en nouveauté de vie. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous sommes en Jésus-Christ, nous marchons avec lui en nouveauté de vie. Jean chapitre 14, verset 6 dit ceci. Je suis le chemin, ça c'est Jésus qui le dit. La vérité solo et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoute, écoute chers frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus-Christ est le chemin. Voilà, je voudrais te dire ce matin. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, allez vers lui. Pour devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci. Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.